Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous voici réunis pour la Room Tour partie 6. On commence tout de suite. Je vais enlever le Gladius. Hop, avant que je me coupe quelque chose. Avec les films, on va dire, bon, historique, à voir, hein, il y a des trucs, c'est pas forcément, voilà, mais j'ai trouvé que c'était là le mieux pour le ranger. On a ici une réplique du masque, hein, du casque de Gladiator, hein, de Russell Crowe. D'ailleurs, derrière, il y a un steelbook que je vais pas ressortir. Je vais juste montrer aussi, alors j'ai plusieurs steelbooks de 300 avec forcément les versions 4K. Voilà, gros fan, hein, vous l'aurez deviné. Voilà, il y en a trois différents. Il y a le 300, le deuxième, hein, le Nouvel Empire, je crois, que j'aime moins forcément. Un steelbook que j'avais été très content de trouver, c'est celui d'Apocalypto, film de Mel Gibson, vraiment génial. Je kiffe ce film. The Deadlands, qui surfe un peu sur l'idée, qui est pas mauvais, mais sans égaler Apocalypto, ça c'est clair. La Momie, je vous avais montré le coffret 4K il n'y a pas très longtemps, avec ce beau steelbook de la trilogie. Red Scorpion, avec Dwayne Johnson. Lady Hawk, un custom, vraiment très sympa ce film, j'adore, avec Rutger Hauer. Et Matthew Broderick, Michel Pfeiffer. Le dernier des Mohicans, j'ai pas craqué pour le steelbook, cette édition SC bien jolie, et c'est le même master. Si ça avait été un 4K, c'est évident que j'aurais craqué. 10 000, moi j'ai bien aimé. Film, on va dire, l'ère préhistorique. Hop. Le roi Arthur, un 4K sympathique, de bonne facture, on va dire. Excalibur, génial. Vu à l'époque au collège aussi, une des premières scènes où se fait passer pour un autre seigneur et qui viole donc la femme de son adversaire, mais elle qui croit que c'est son homme, est excellent avec le Merlin l'Enchanteur qui l'aide dans sa démarche. Le roi Arthur, il existe un très beau steelbook, mais je suis passé à côté. Deux façons de voir aussi Blanche-Neige avec Blanche-Neige et le chasseur et le deuxième opus. 3, très beau steelbook, très beau film, j'espère un 4K aussi un jour. Alexandre le Grand, grosse prestation de Colin Farrell honnêtement. Le 13e guerrier, donc DVD plus copie HD pour un film qui est super dur à trouver en Blu-ray. Alpha, j'ai adoré, hein, forcément déjà la collaboration entre un homme et un loup pour survivre, je peux qu'être fou de ça. Macbeth avec Michael Fassbender, pas vu mais très bon apparemment. Lost City in Z, pardon, toujours pas vu non plus. Hop. Le Choc des Titans, la nouvelle version. Des films de Ray Harryhausen. Donc moi j'ai vu étant gamin ces trois films, hein. Jason et les Argonautes, L'île mystérieuse et le 7e voyage de Sinbad. L'excellent Viking avec Kirk Douglas, hein, le papa de Michael Douglas. Et aussi, comment il s'appelait lui, Peter O'Toole, mais il y en a un, bon bref, j'ai plus son nom. Willow, un très beau Mediabook, hein, qui coûte un bras, honnêtement, que j'avais chopé quasiment en même temps que j'avais chopé le Steelbook, donc j'ai pris les deux. Moi je suis très fan, hein, d'Heroic Fantasy et de ces films là qui sont vraiment des Madeleines de Proust, des films de mon enfance. Hop. Princess Bride, pareil, j'adore ce film, donc avec un beau custom également. Chevalier avec Heath Ledger, anachronisme complet entre les images et la musique, on va voir du Queen alors que c'est des combats de chevalier. The Woman King, pareil, un beau custom pour un film en 4K qui est exceptionnel. La Forêt d'Émeraude de John Borman, qu'est-ce que j'adore ce film aussi. Inespéré qu'il le sorte un jour en Blu-ray, j'étais vraiment fou. Le Dernier Empereur, j'ai pas craqué pour les dernières versions. Hop. Bon, je vous laisse, je appuie sur pause. Alors, heureusement, rien de grave, c'était que un amarré qui était tombé. L'île aux pirates, excellent, hein, qui vient de sortir avec une belle surprise sur un beau steelbook. Pirate de Polanski, j'ai été déçu franchement en le revoyant. La Passion du Christ, hein, que j'ai eu du mal à trouver, et puis d'un seul coup il s'est trouvé à des prix défiant toute concurrence à Noz. Les 10 commandements en 4K. La Résurrection du Christ. Le Nom de la Rose, alors là j'ai cru comprendre qu'il y allait une sortie 4K qui allait arriver, donc ça c'est plutôt bon. Valhalla Rising. The Northman, excellent.
Pathfinder, très beau steelbook. Highlander, franchement, le premier, vraiment, enfin, cultissime pour moi. Gods of Egypt, film qui n'est pas très aimé. Ben Hur, excellent. D'Artagnan, donc les trois mousquetaires. On attend Milady, là, qui est actuellement au cinéma. Il devrait sortir, je pense, vers avril-mai à la vente. Donjons et Dragons, ça avait été une bonne surprise et un très beau 4K. Pompéi, ça passe. Les Tudors, pas encore vu. Alors, je vais pas sortir les objets ici. Ici, on a une figurine de Léonidas qui est vraiment très sympa. Derrière, vous pouvez deviner le gros collector de Robin des Bois, la version avec Russell Crowe, mais vraiment un collector de ouf que j'ai vraiment pas eu cher. Il y a l'intégrale de Spartacus en Blu-ray, l'intégrale de Viking en Blu-ray. Il y a American Horror Story, les 6 premières saisons, je crois, ou 7, 6, je crois. Quelques séries, dont Rome aussi, que je dois voir. Banshee, j'ai adoré. Penny Dreadful, pas encore regardé. Et les Preachers, saison 1 et 2, non plus pas encore regardé. Alors on enchaîne avec les films avec... Alors, il y a quoi? Il y a qui? Gérard Butler en premier. Bon, vous verrez au fur et à mesure. Ultimate Game, c'était sympa, mais sans plus, honnêtement. De même que Machine Gun Preacher aussi. Ça surfe un peu sur les larmes du soleil, mais sans égaler le film avec Bruce Willis. Abominable Vérité, ça c'était très sympa avec Catherine Heigl. PS I Love You, pareil, belle histoire d'amour avec Hilary Swank. Criminal Squad, ça passe, film blockbuster. Et là, on a les Maisons Blanches. Alors, elles sont pas dans l'ordre. La chute de la Maison Blanche. La chute du président. White House Down. Ensuite, on a Enragé. Bien sympa, celui-là. Hunter Killer, c'est pareil. Ils le font passer pour un film série B, mais je suis pas du tout d'accord. Que Justice Soit Faite, un excellent film. Hein, où il joue avec Jamie Foxx. On va avoir avec Travolta l'excellent Blowout, film de Brian De Palma. From Paris With Love. Qui est bien un bon film d'action. Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell, j'avais été très content aussi quand il est sorti enfin en Blu-ray. Broken Arrow, très bon duo avec Christian Slater. Get Shorty, comédie sympathique. Là, quelques films avec George Clooney, The Descendants, qui était bien. Hors d'atteinte, très bon avec Jennifer Lopez. Là, on a les Ocean's 8 avec celui avec les filles dans la foulée que j'avais trouvé à Noz il n'y a pas longtemps. Sirana. Avec Matt Damon, George Clooney, etc. Michael Clayton. Là, des films avec John Malkovich. Là, il y en a deux qui sont rangés là, mais il y en a forcément d'autres. Dans la peau de John Malkovich. Et un excellent Of Mice and Men, Des souris et des hommes. Franchement, un film que j'adore. Avec Gary Sinise, si je ne m'abuse. Alors, on va pousser ça. Hop, on va enlever le premier. Ça, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, je crois, sur... Arte, je crois, Northwest, et j'avais bien aimé. Je l'avais trouvé dans un supermarché, j'étais assez content aussi. Affreux, sale et méchant. Bien barré aussi comme film. Nerds, pas vu. J'en ai entendu parler, où ça a l'air bien sympa. Middleman, je crois que c'est basé sur l'industrie du porno. Asher, pas vu, avec Natalie Portman. American Animals, les critiques sont bonnes aussi, donc on verra ce que ça donne. Voilà. High Rise, je crois que c'est avec Michael... non, je les confonds souvent. Tom Hiddleston. Pareil, ce film avait intrigué avec Forest Whitaker. Hein. Là, il y a aussi Harvey Keitel dedans, donc La Voix de l'Ennemi. Fragment, ça c'était sympa. Destin Croisé. Hooligans, ça passe. Imperium. Bon, on est loin des American Historics quand même. Hein. The Expatriate. The Line avec Ray Liotta et Andy Garcia. Hop. Hitman, La Vague, qu'il faut que je vois assez rapidement. Charlie and the Countryman, c'était bien sympa, ça j'ai bien aimé. De même que Don Hemingway, c'était sympa aussi. Triple 9, Hold Up, film d'action sans concession. Bien bourrin, mais bien sympa. Gavelstone, j'avais adoré. Hein. Franchement, Ben Foster est terrible dedans. Il est atteint d'une maladie incurable. Enfin, au départ, il... Bon, bref, j'ai rien à dire. VWF offert par Adrien aussi, un film en VO sous-titré uniquement, je crois pas qu'il y ait la VF si je me souviens bien, et j'ai bien aimé en gros un peu un assaut où des vieux sont dans un bar et ils sont attaqués de toutes parts, ils vont devoir résister. Perfect Day avec Benicio Del Toro et Tim Robbins, Vol 93, Hit and Run et Mise à prix numéro 2. Je vais enchaîner tout de suite avec au moins ceux-là.
Alors là, je crois que si je me souviens bien, j'avais rangé un peu tous les films dont l'héroïne est une femme. On va dire dont le héros est une femme. Allez, on commence tout de suite avec le collector qui prend beaucoup de place pour pas grand-chose, Mulholland Drive, avec le 4K qui est dedans. Voilà. Frida, avec une très surprenante Salma Hayek. Et comme Frida Kahlo, ben, elle a les sourcils qui se rejoignent. Bon, ça casse un peu le personnage. Musée des Merveilles, acheté il n'y a pas longtemps à Noz, il paraît que c'est pas mal. In the Fade, Diane Kruger, une femme qui se venge, c'était pas mal. Destroyer aussi, avec Nicole Kidman. Ça, très bon, The Good Lie. Non, je confonds avec un autre film avec Reese Witherspoon, on en parlera après, je sais où il est, je vois de quoi je parle, enfin, je vois surtout ce que j'imagine. Florida Project, j'ai chopé pas cher, donc je lui redonne une chance parce que j'avais pas super aimé. Ça, j'attends un officiel, là c'est un bootleg, j'attends l'officiel que j'ai commandé d'ailleurs chez Elephant Film. La voleuse de livres, pas vu. Les filles du Dr. Marsh, grosse distribution, et il paraît qu'il est très très bien cette version. Paper Mind avec Jennifer Garner. Le Mother, que je n'ai toujours pas vu, pareil, film qui partage, qui divise. Boys Don't Cry avec Hilary Swank. Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Dark Places, Charlize Theron. Tully, Charlize Theron. C'est bien fait quand même. Scandale, Charlize Theron. Moitonia, j'ai adoré, hein, sur l'histoire de la célèbre patineuse artistique. Franchement, je l'ai trouvé génial. Je l'ai vraiment trouvé génial. C'est un très très bon film. La secrétaire, déjà une jaquette qui vous donne envie de regarder ce film. Adaline, un de mes films préférés sur le voyage. Bah, pas le voyage dans le temps en fait, c'est juste qu'elle est plus ou moins immortelle suite à un accident et franchement génial. Il y a Harrison Ford dedans, qui arrive dans la deuxième partie du film. Mais un film que j'ai vu plein de fois et que je surkiffe. I Still Alice sur Alzheimer, donc là c'est pas un sujet drôle du tout. Les figures de l'ombre, basées sur une histoire vraie, très sympa. Thelma et Louise, génial, avec un jeune Brad Pitt à l'intérieur. Avant d'aller dormir avec Nicole Kidman, avec Colin Firth notamment, et deux films avec Albéric que j'aime beaucoup et qui sont assez proches finalement, Kidnap et The Call. On enchaîne avec ce qu'il y a derrière, déjà avec 21 Jump Street qui va aller rejoindre les deux films. Basé sur cette série justement, je vais mettre dans les comédies américaines là-bas, ça n'a rien à foutre là. Comancheria, un film que j'ai surkiffé, effectivement, par le scénariste de Sicario, mais Jeff Bridges, Ben Foster et Chris Pine, génial, avec des mecs qui font des hold-up et un shérif qui est bien déterminé à stopper tout ça. Crazy Heart, film musical, c'est vrai, mais bon, j'ai mis à côté des films de Jeff Bridges, donc on verra. Anna, c'était bien, sans être ouf ouf. Colombiana, ça c'est un film que j'aime beaucoup, je trouve très efficace. Soif de vengeance, cette femme. Esprit rebelle, un bootleg, il n'existe pas encore en Blu-ray. Très sympa avec Michel Pfeiffer et la musique forcément de Coolio. Gangster Paradise, la trilogie de la ménagère. En mal d'amour, en mal de fantasme. Elle s'appelle Sarah, c'était très bien ça. La femme du gardien de zoo, c'est pareil, Seconde Guerre mondiale, où en fait il essaye de sauver les animaux. La fille du train, pareil, Emily Blunt, exceptionnelle dans ce rôle. La veuve noire, pas vue. Burst, pareil, un film que j'attends beaucoup, avec Nicole Kidman, qu'il faut que je voie et qui a l'air très très bien. Les voies du destin avec Colin Firth. Promising Young Woman, c'est pareil, il a une très bonne réputation, mais je ne l'ai pas encore vu. Prémonition avec Sandra Bullock, Perfect Mothers, Naomi Watts, hein, des relations illégitimes, hein, avec une grosse différence d'âge, on va dire, des mamans et leur, les enfants de leur ami, on va dire. Stalker, très bon film. Black Swan, avec notamment Vincent Cassel. Avant toi, vraiment très très bon, avec Emilia Clarke, très très belle histoire, hein, honnêtement. Ça, c'est un film pareil, assez sulfureux, mais que je n'ai pas encore vu, par le réalisateur de Hell, Showgirls, Basic Instinct et Total Recall, film de Paul Verhoeven, mais franchement, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Auprès de moi, toujours, pareil, il paraît que c'est une belle histoire d'amour, et White Hot, une enquête dans la neige, avec l'actrice Kate Beckinsale, très très sympathique. Alors ici, on va voir que des films avec Robert De Niro, si je m'abuse, à part ce coffret forcément de la quatrième dimension. Bon allez, on commence tout de suite avec Le Parrain, les dernières éditions Steelbook qui sont sorties en 4K.
très très chouette, honnêtement, avec des visuels type peinture auxquels j'adhère complètement. J'adore aussi. Ça, c'est quoi déjà le titre français? Passe en retour, le tube. Oh là là, putain, des. Mais c'est ça, là je présente tellement de films et je fais les vidéos tellement dans la foulée que je sature même sur des trucs évidents. Donc en gros, l'histoire avec la roulette russe, le retour du Vietnam, etc. Mais là, le titre me revient pas. Goodfellas, pareil, excellent avec Ray Liotta. Les Affranchis, le titre original. J'ai une autre version, pareil, une belle version, donc je l'ai gardée également, celle-ci. Hop, avec un livret et tout ça. On a Frankenstein qui est vraiment très très bien. C'est une version que j'aime beaucoup. Taxi Driver. J'espère peut-être une sortie 4K, ça serait bien. Mad Dog and Glory avec Robert De Niro et Bill Murray, Uma Thurman. Le fan un bootleg, très très bon, hein, où il est fan, mais un peu trop, de Wesley Snipes, hein, qui est un joueur de... je vais pas dire de conneries, je crois que c'est de baseball. Raging Bull, un des premiers films de De Niro. L'excellent Casino. Ça, j'ai bien envie de faire un custom pour Il était une fois en Amérique. Men of Honor avec Cuba Gooding Jr. Les Mafia Blues 1 et 2. Mission. Les Nerfs à Vif, pareil, j'adore, avec Jessica Lange et Nick Nolte. Midnight Run, comédie bien fun avec Robert De Niro. Interne, je sais plus, c'est Stagiaire, je crois, le titre original, c'était bien sympa aussi. Limitless avec Bradley Cooper, il a plus ou moins un second rôle là-dedans. Malavita avec Michel Pfeiffer. On a ensuite, il reste quelques films. Mean Streets, film de Martin Scorsese. Stardust, il paraît que c'est très très bon, Adrien me l'a recommandé, une autre personne, je sais plus qui, avec Claire Danes et Michel Pfeiffer. Le bootleg de The Irishman, alors le film est long, mais il est bon, comme souvent avec les films de Robert De Niro et Scorsese. Ronin, pas ouf en fait, honnêtement, avec Jean Reno, mais je m'attendais vraiment à autre chose. Unité d'élite, c'est bien sympa. Joy, pas vu, avec la belle Jennifer Lawrence. Et pareil pour ce film, je ne l'ai pas vu, Bus 657, il y a Jeffrey Dean Morgan dedans. Ici, on va avoir des séries, avec notamment Breaking Bad et ce mug de Los Pollos Hermanos. Donc les steelbooks, les éditions comme ça, j'avais les éditions un petit peu artistiques, mais j'aimais moins que cette édition-là. Donc en plus, il y a du débossage sur chaque signe de dangerosité ou d'explosivité. Très bon film, The Boyfriend, pourquoi lui, avec James Franco notamment. Donc là, c'est les films, bah, vous l'aurez compris, avec Bryan Cranston. Dalton Trumbo, l'ennemi numéro 1 d'Hollywood, je n'ai pas vu. Infiltrator, je n'ai pas vu. Ça avait été une très très bonne surprise. Wakefield. On a derrière l'intégrale des Contes de la Crypte, hein, j'espère vraiment une sortie Blu-ray. Les Enquêtes du département V, avec au départ les trois premiers qui sont très très bons, le quatrième qui reste correct, mais apparemment le cinquième, ils ont changé les acteurs et c'est plus du tout la même ambiance. Gotham, c'est une série que j'ai surkiffé, j'étais très content de réussir à avoir l'intégrale en Blu-ray, ça n'a pas été chose facile. Alors les premières saisons se trouvent facilement, mais après les autres c'est autre chose. Alors là je suis couché sur le sol, hein, pour pouvoir accéder à ces étagères. Alors un film que j'ai pas vu déjà, Nomadland, mais j'en avais entendu parler, on me l'a conseillé. L'échelle de Jacob, excellent film et très bonne prestation de Tim Robbins. Requiem for a Dream, vu il y a pas longtemps, revu il y a pas longtemps pour la troisième ou quatrième fois avec un nouveau master et honnêtement qui est très très sympa. Peut-être un jour une sortie 4K, mais déjà le master est très très bon. L'effet papillon, il y en a plusieurs, mais s'il ne faut en garder qu'un, c'est celui-ci. Memento, pareil, très très bon film, honnêtement un des premiers de Christopher Nolan. Blue Velvet, plus aucun souvenir honnêtement. Sorcerer, excellent. C'est quoi? C'est un remake du Salaire de la Peur, si je me souviens bien. The Guilty, pareil. Pas vu, mais très sympa, d'après ce qu'on m'a dit. Searching, ça c'est excellent. Avec l'exploitation, on va dire, d'un thriller avec les nouveaux réseaux sociaux, on va dire. Room, pareil, excellent film, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Les Ardennes, je n'ai pas vu. Blue Ruin, c'est pareil, je l'ai vu 2-3 fois, j'adore ce film. Franchement, une merveille, oui, c'est vrai, une merveille. Quelque chose de très sombre, honnêtement. L'homme qui défiait l'infini, je ne l'ai pas vu. Mais c'est avec l'acteur qui joue dans Lion, notamment, donc le gamin quand il est adulte. Ce film, pareil, c'est une pépite.
Tyrannosaure, j'ai adoré ce film. Là, il y a que la VO sous-titrée, mais franchement, ça passe très très bien. J'ai adoré ce film. Ça, on en parle énormément, je ne l'ai toujours pas vu, mais je sais que ça va être très bon, il n'y a pas de souci, je flippe pas là-dessus. Donc Drunk. Avec Bill Murray et Scarlett Johansson, Lost in Translation. Slumdog Millionaire, très très bon, là on est sur les films avec Danny Boyle. Petit meurtre entre amis. Bon là c'est pas Danny Boyle, mais il est là, je sais pas pourquoi. Et les Confidential, excellent film, hein, Kim Basinger, terrible là-dedans. Usual Suspects, pareil, petite sortie 4K avec un Steelbook, ça pourrait être sympa. Trainspotting le premier, qui est vraiment une référence. Le deuxième, ils ont sorti un beau Steelbook, mais le film est quand même beaucoup moins bien. Ça, j'ai adoré, 127 heures, hein. Honnêtement, avec James Franco, basé sur une histoire vraie. Et Trans, toujours pas vu. À l'arrière de cette étagère, on a Snowden, film d'Oliver Stone, si je ne m'abuse. The Social Network, sur la genèse d'un des plus grands réseaux sociaux. Ordure, il paraît que c'est très bien. Call in July, avec l'acteur de Dexter notamment, franchement sympa. Thriller bien noir. Frozen River, jamais vu, je sais pas ce que ça donne. Trust, c'est pareil, je me suis laissé guider par les avis quand je l'ai eu dans les mains. J'ai regardé un peu globalement de quoi ça parlait, tout ça, ça m'a intéressé. Ça, offert par Adrien, hein, basé sur ce qui se passe avant ou après les Sopranos. Identity, très bon, thriller. Copycat, c'est pareil, excellent. Là, c'est un bootleg parce que il est cher en Blu-ray. Alors, il est un peu moins cher via les États-Unis ou l'Angleterre, mais je suis vraiment pas sûr qu'il y ait une piste française ou même des sous-titres français. Winter's Bone, excellent film aussi, ça, j'ai adoré. Un homme très recherché avec Feu Philippe Seymour Hoffman, Willem Dafoe, très bon film. Pris au piège, pas vu, mais on en a beaucoup parlé. Blindspotting, pareil, on m'en a beaucoup parlé, on m'a dit que c'était très bien. Là, sur un tueur un peu style tuerie de masse, A Day to Kill. Et pour... Ah oui, ça, c'était bien aussi, Fruitvale Station. Alors, vu que c'était dans le coin, j'avais oublié ces deux films. Donc, Green Room, ça avait été une bonne surprise aussi, honnêtement. Très, très bon film. Et Sleepless, pas vu, avec Jamie Foxx, je sais pas ce que ça donne. Voilà, ça doit être un film d'action relativement classique. J'avais adoré Kramer contre Kramer avec Dustin Hoffman, hein, une histoire de séparation, de divorce et puis la guéguerre pour la garde de l'enfant. Ça me fait penser à la chanson de Balavoine, Mon fils, ma bataille, mais franchement excellent. Et c'est dans la même collection des verrés classiques, hein, que je vous ai montré tout à l'heure dans les films un petit peu anciens. Straw Dogs, c'est le remake d'un film, un chien de paille, voilà, que j'ai mis à l'intérieur justement pour avoir les deux versions, et la première version est avec Dustin Hoffman. J'avais bien aimé le remake. Tutsi, pas la peine de le présenter, excellent film. Le Lorien, c'est le film qui a fait connaître Dustin Hoffman. Little Big Man est dans les westerns. Always, très beau film de Spielberg avec un excellent John Goodman. On retrouve John Goodman dans Panic sur Florida Beach, hommage au film d'horreur des années 50. Le Juge avec Robert Downey Jr. Il était une fois le Queens avec Robert Downey Jr. American Beauty avec Kevin Spacey. On va retrouver ici Mavicha avec Kevin Spacey et Jennifer Garner. Christopher Walken aussi, il y a pas mal d'acteurs. Las Vegas 21. Ça, un film que j'ai adoré. Là, on arrive sur les films avec ou deux, mais principalement avec Sean Penn. Donc 21 grammes avec Benicio Del Toro et Naomi Watts, un film sur la rédemption, le pardon, etc. qui est excellent. Harvey Milk, basé sur l'histoire vraie de l'homme politique. Ça, je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est très très bien. This Must Be The Place. Les Fous du Roi, pareil, pas vu, mais quand j'ai vu la distribution avec Jude Law, Kate Winslet, Anthony Hopkins, je me suis dit, ça m'étonnerait qu'ils jouent tous pour un AV. Comme un chien enragé, Christopher Walken, Sean Penn joue son fils. Colors avec Robert Duvall, pareil, le jeune flicard et l'ancien, confrontation de deux façons de travailler forcément. Gangster Squad, pardon, excellent, hein, une grosse distribution aussi avec Ryan Gosling, Josh Brolin, Nick Nolte, Emma Stone, et j'ai aussi un steelbook pour ce film, très très chouette franchement, j'aime beaucoup ce film.
Gunman, j'avais bien aimé. C'est un de ses derniers films d'action, on va dire, hein, qui est pas mal. Réalisateur de Tekken, ça m'étonne pas. La dernière match, j'avais été content de trouver ce Mediabook une fois en caisse dans un Carrefour Market, je crois. Bon, là, on n'est plus près d'en voir hein, des films vendus en caisse dans les supermarchés, vu qu'ils tendent tous à diminuer, voire anéantir leur rayon. Fair Game, film encore une fois très connu avec Sean Penn. Et là, bon, rien à voir avec Sean Penn, c'est Sale Temps à l'Hôtel El Royal, un 4K de toute beauté, un film qui m'avait surpris vraiment dans le bon sens. Alors, derrière, trois films avec plus ou moins des équidés. Pur sang, j'ai adoré, et j'ai adoré la prestation de Toby Maguire. Il y a Jeff Bridges, franchement, c'est un pur film, j'adore, sans jeu de mots. Eo, pareil, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, je l'ai regardé dans la foulée. Hyper touchant, très troublant, perturbant, j'y ai pensé pendant très longtemps après. Et là, je le revois, je le retiens en main, je repense à certaines scènes, un film très marquant. De même que Nevada avait été une super surprise, hein. Milieu carcéral, à la limite, j'aurais pu le mettre avec les autres films de ce registre, mais là, bon, c'est les équidés. Ce coffret, je l'ai eu lors du Black Friday, hein, Jennifer Kent avec Mr. Babadook. J'avais déjà un élément, donc Mr. Babadook que je donne à Adrien, et c'était surtout pour The Nightingale que je l'ai pris. The Fablemans, un peu dégoûté, je pensais que cette édition prendrait de la valeur et deviendrait éventuellement rare. Pas que je veuille ça, hein, mais je me suis dit, bon, il faut l'acheter tout de suite parce que c'est pas le genre de film qui baissera. Ben si, je l'ai payé 29 balles, il est à 14,99 sur le net. Le discours d'un roi, très grande prestation et histoire vraie de Colin, enfin avec Colin Firth. Chaplin, pareil, Robert Downey Jr. qui fait un biopic sur Charlie Chaplin. Histoire de temps, c'est énorme aussi. Histoire vraie, encore une fois. Everything, Everything, belle comédie. Beau sentiment, belle chose, une fille qui peut pas sortir, je crois, ou une histoire de lumière. Queen and Slim, on m'en a parlé, mais je n'ai pas encore vu. The Jacket, très bon, excellent, avec Adrien Brody. Ça, je l'ai pas vu non plus, Under the Silver Lake. Mais c'est un film qui m'a, quand j'ai lu l'histoire, qui m'a interpellé. Une vie cachée, pareil, très très bon film de Terrence Malick. Et le dernier film de cette rangée, c'est The Reader, avec Kate Winslet et Ralph Fiennes. On enchaîne avec le coin Jurassic Park, les Terminators, King Kong, tout ce qui est primate et un peu bestiole comme ça, les Godzilla et autres. Un très très beau livre sur Terminator, belle figurine également. Et ici on a tous les Terminators, alors je vais pas vous les sortir, c'est pas les plus belles éditions, hein, c'est des éditions assez classiques honnêtement. À part un, là c'est celui... Rise of the Machine qui est un peu plus hard à trouver, celui-ci qui est joli, qui est en plus phosphorescent, ça sert vachement vu qu'il est rangé sur la tranche. Le Terminator 2 forcément, le premier en steelbook, enfin voilà. Ici on a la figurine que vous connaissez, hein, si vous connaissez ma chaîne, Enter Bay. Un investissement ce truc honnêtement, j'espère qu'il ne lui arrivera rien parce que bon, voilà, c'est que ça commence à côté la bestiole. Ça c'est une figurine que je me suis faite en fait, à la base c'est une NECA de King Kong et j'y mets un socle et j'ai imprimé un titre en relief que j'ai collé pour qu'il, voilà, on ne voit pas forcément là à l'écran clairement mais c'est en relief. Et j'ai trouvé ça sympa, ça m'amuse beaucoup de parfois de faire des petites choses comme ça pour avoir des trucs originaux. Alors je vais essayer de pas faire de conneries. Un petit dino. Et ici, je vais pas les sortir non plus. Donc on a... Enfin, je vais en sortir peut-être quelques-uns. Attendez, je vais essayer de pas faire de conneries. Donc je vais enlever également ce collector de Jurassic Park pour pas faire de bêtises. Hop. Voilà. Alors, dans les steelbooks, ça c'est le King Kong avec Jessica Lange hein, qui était ressorti il y a pas longtemps. En plus en 4K, steelbook c'était inespéré. Le King Kong de Peter Jackson. Franchement, très beau steelbook, très sympathique. Bon, j'ai plusieurs versions, c'est un film que j'aime beaucoup, hein, je suis désolé. Donc, la marée avec le 4K qui a un visuel différent. Et encore ce steelbook différent également. Je sais, je sais. Les Jurassic Park, alors il va y avoir du classique hein, avec celui-ci. Le Monde Perdu, The Lost World. Le troisième. Après, on enchaîne bah, forcément avec les Jurassic World. Le premier, le deuxième, The Fallen Kingdom. Je les ai bien aimés tous, honnêtement. Dominion, bon, c'est aussi c'est ce titre-là également. Donc, je ne sais plus trop ce que c'était le titre. Bon, bref, c'est le dernier. Moi, j'ai bien aimé, honnêtement.
Je sais que les gens le trouvent long, etc. Moi, franchement, c'est très très bien passé. Godzilla, hein, l'ancienne version qui a été remasterisée en 4K. Godzilla versus Kong, que je n'ai pas encore vu. Godzilla, le roi des monstres. Donc là, c'est pas dans l'ordre. Et Re-Godzilla. Ça fait beaucoup de Godzilla. L'origine, les genèses de Godzilla. Celui de Roland Emmerich avec. Je sais pas Connery, c'est Matthew Broderick qui joue dedans. J'ai un doute. Bref. King Kong Skull Island. Le Tarzan, que j'ai pas trouvé si déplaisant. Et un beau 4K. Et il y a Margot Robbie, je crois, dedans. Alors là, on touche vraiment à une saga de cœur. Hein, La planète des singes. Particulièrement, même si j'aime ceux avec Charlton Heston. J'aime encore plus ceux avec. César, franchement, mon héros préféré. Donc La Planète des Singes, où j'ai vu avoir plusieurs versions, plusieurs choses, avec le deuxième, l'affrontement, et ensuite, je sais même plus le titre, à la fin, mais c'est horrible. Bref, ce beau steelbook, Zavid de La Planète des Singes, donc le premier, hein, là on parle de celui avec Charlton Heston, avec l'intégralité des films, donc de la première saga et celui-ci donc Suprématie, voilà, avec le coffret 4K que j'aime beaucoup. On va voir quelques films avec des primates, donc Incident de parcours, voilà, excellent. Mais mon film vraiment de cœur, c'est celui-ci, Link, pareil, quand j'avais vu qu'il sortait en ultra HD, en plus ce film de Richard Franklin, si on veut, avec Elisabeth Chou d'ailleurs, encore une fois. Trop content, j'ai adoré ce film. Et là, on va avoir un gros Metal Pack de La Planète des Singes, mais la version Tim Burton. Voilà pour le coin des bestioles. Alors, on enchaîne dans ce bac, c'est la filmo de Nicolas Cage, un acteur que je surkiffe et que je respecte malgré les daubes qu'il a fait pendant une période. Là, il est en train de remonter la pente, je trouve, au niveau des choix des films et tout ça. Donc, c'est très bien. En tout cas, il a fait des films. Tellement iconique qu'il faut respecter cet acteur. On commence tout de suite avec un film que j'adore, Birdie, avec film d'Alan Parker avec Matthew Modine. Excellent film sur le traumatisme de la guerre et tout ça. Peggy Sue s'est mariée. Bon, le rôle principal c'est Kathleen Turner, mais franchement, bon, il joue le petit ami de Kathleen Turner. C'est vraiment excellent. Lord of War, pareil, donc potentiellement défectueux. Du coup, c'est une version Blu-ray Belgique. Excellent film, il paraît qu'ils vont faire un deuxième si j'ai bien suivi. Les Associés qui est ressorti il n'y a pas longtemps dans une opération Fnac. Ça, j'aime bien aussi. The Weatherman. Enfin, là, il y a vraiment des films que je kiffe. Hein. Benjamin Gates, un petit peu son Indiana Jones à lui, qui passe très très bien. Un talent en or massif que je n'ai pas encore vu mais qui m'a été conseillé par Adrien, où apparemment il livre une très bonne prestation. Il y a Pedro Pascal dedans. C'est plus ou moins sa vie qui est racontée. 8 mm avec un bootleg très très bien fait. Disque sérigraphié, etc. Franchement, excellent film. Sailor et Lula, très sympa aussi. Avec. J'allais dire, oui, c'est un film de David Lynch, j'ai eu peur de me tromper. Arizona Junior, film des frères. Un des frères Cohen, pardon. Enfin, non, c'est les frères Cohen, mais je ne l'ai pas rangé là-bas parce que ben, c'est Nicolas Cage, l'acteur principal. Milliardaire malgré lui, excellent. Là, tout récemment, c'était Willy's in Wonderland, c'est assez récent. Pig, c'est pareil, où on lui vole son cochon renifleur de truffes. Joe, dit comme ça vend pas du rêve, mais honnêtement, le film est très bon. Joe, c'était excellent aussi. Next, où il prévoit ce qui va se passer dans les secondes proches. Non, c'est. Si, 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 c'est ça, Next. Prédiction, c'est des prédictions. Très, très bon aussi, prédiction, j'avais bien aimé. Forcément, Rock avec Sean Connery. À chaque fois que ça doit pencher dans un sens, ça ne penche jamais du côté où ils vont pas tomber. Hein. C'est un truc de ouf. Et Ed Harris aussi. 60 secondes chrono avec Angelina Jolie qui est très bizarre en blonde. Con Air, les ailes de l'enfer. John Cusack, Malkovich, excellent avec ses prisonniers qui s'évadent d'un avion, les plus dangereux prisonniers. La Cité des Anges, excellent avec une BO de fou et puis une histoire tellement poétique. Un de mes films préférés de Noël et aussi de Monsieur Nicolas Cage, c'est Family Man. Qu'est-ce que j'aime ce film, honnêtement. J'adore. Je vais le regarder bientôt, c'est sûr. Volteface avec Travolta, très très bon également. Hein. De toute façon, là, honnêtement, et Leaving Las Vegas, pareil, un film vraiment de cœur avec une BO incroyable. C'est Sting essentiellement pour la BO et franchement, c'est un film de ouf.
Alors là, par contre, ça va pas être les meilleurs qui sont rangés derrière, comme par hasard. On a Ghost Rider 1, Ghost Rider 2, Bangkok Dangerous, USS Indianapolis, pas si mal, basé sur une histoire vraie avec le naufrage d'un bateau militaire avec tous les requins autour. 12 heures, Bad Lieutenant, hein, qui se trouve à Noz en ce moment, n'hésitez pas, mais moi je l'avais déjà depuis bien longtemps avec Eva Mendes. C'est le remake hein, du Bad Lieutenant original. Tokarev, Effraction, qui est pas si mal honnêtement avec Nicole Kidman. On va avoir Mandy, très particulier. Hein. Snake Eyes. Et c'est tout pour Nicolas Cage. On va essayer de ne pas faire tomber le Blu-ray derrière. Là, on va avoir du Robert Redford avec The Old Man and the Gun. C'est tout récent. Je vous l'ai présenté. Les 3 jours du Condor, excellent. Sous surveillance avec Shia LaBeouf. Out of Africa. Très belle histoire. Paysage de ouf. Le Cavalier électrique. All is lost. Alors, ce qui me manque, c'est le dernier château avec lui. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. L'affaire Chelsea Dordon, un film que j'adore, notamment aussi parce qu'il y a Daryl Hannah, mais j'aime beaucoup. Proposition indécente avec Demi Moore et Les Hommes du Président. Mais honnêtement, oui, ce qui va me manquer, c'est avec lui, hein, un film que j'aime vraiment, c'est Le Dernier Château. Ensuite, un acteur que j'aimais bien au départ, mais que j'aime de moins en moins, honnêtement, il ne vend pas du rêve, Vin Diesel. Là d'ailleurs, ce film là, je les ai mis avec les Fast and Furious, mais j'aurais pu le ranger dans les Dwayne Johnson ou Jason Statham. En tout cas, un opus qui est pas mal. Le Fast and Furious 9, il y a le 10 qui est sorti, hein. On verra si je le prends vraiment dans le complétisme absolu. Ça avait été plutôt une bonne surprise, hein, le 4K de Bloodshot. Pareil, le 4K du dernier Chasseur de Sorcières, c'est pas trop mal. Babylone AD, film de Kassovitz, hein. Alors je vous dis, c'est l'homme public que j'aime pas. Après, le réal, il a fait quand même quelques bonnes choses, il faut quand même pas tout mélanger. 24 heures limite, The Ghost Rider avec Pierce Brosnan, Survivor avec Pierce Brosnan, hop. The November Man que j'ai pas vu, Tous les espoirs sont permis, je l'ai pas vu non plus, là, c'est des films avec Tommy Lee Jones, mais c'est un acteur que je kiffe. Dans la brume électrique, je crois qu'il est potentiellement défectueux, mais il y en a deux dedans, donc bon, ça serait vraiment pas de chance. Et figurez-vous que c'est un film de Bertrand Tavernier. Blown Away, revu il y a pas longtemps avec Jeff Bridges, excellent, hein, sur Attentat. US Marshall, ce qui est plus ou moins la suite du Fugitif. Dans la Vallée d'Ella, très très bon ça, avec Charlize Theron. Le Client, pareil, j'adore ce film avec Suzanne Sarandon, terrible. Et donc, je vous avais présenté dans une vidéo précédente ce film qui n'était pas du tout au bon endroit. Donc, vous voyez, j'ai rectifié. Ça aura au moins servi à ça, les vidéos. J'ai mis double jeu avec les films de Tommy Lee Jones. Ici, on va avoir quelques films avec Idris Elba, mais j'en ai d'autres ailleurs. La Montagne entre nous. Le Grand Jeu, où il y a même Kevin Costner. Bastide, qui avait été une très très bonne surprise. Là, on est avec des films... Alors, ça, c'était pour Monsieur Affleck. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, il y a des films qui sont de l'autre côté. Ça n'est pas à sa place. Bon, bref. Shakespeare in Love. Quand je vous disais que ça se casse toujours du mauvais côté. Paycheck. Film de science-fiction très sympa, hein, avec Uma Thurman, notamment. Jeu de pouvoir. Life by Night, pas vu. Il paraît que c'est pas mal. Happiness Therapy, c'est pas du tout avec lui, je suis pas sûr qu'il ait un rôle là-dedans, non, c'est plutôt Bradley Cooper. Derrière, on a donc des films avec Vin Diesel et Samuel L. Jackson. Je vais pas vous sortir le coffret avec les 8 premiers Fast and Furious. Il y a les 3 Triple X, il y a les Riddick. Bon, Riddick, honnêtement, ça reste très correct, j'ai pas trouvé ça pourri. Avec John Cena, j'ai 2 films que j'aime bien, donc j'ai gardé ces deux-là, c'est 12 Rounds et Marine. Marine, il y en a eu plusieurs suite à ça, mais bon, voilà. Au revoir à jamais, très bon film, hein, avec Gina Davis. Des serpents dans l'avion. Harcelé, qui était vraiment bien dans le rôle d'un flic bien pourri. SWAT aussi, avec Colin Farrell, très très bon. The Shaft, excellent. Et The Spirit, un peu... dans l'ambiance, putain, les titres vont pas me revenir. Je veux m'engager dans des conversations que je n'arrive plus à tenir. On enchaîne avec les films avec Morgan Freeman au départ. Donc Pluie d'enfer, qui est vraiment excellent. Alors j'aimerais bien une sortie d'un Blu-ray de qualité, parce que honnêtement le master est vraiment pas ouf et c'est très dommage, parce que j'aime bien l'ambiance avec Christian Slater.
des mecs qui profitent d'une inondation, d'une catastrophe climatique pour voler de l'argent à la banque. Crime et pouvoir, très très bon également. Un été magique, c'était sympathique. Alors là, on est dans les... je sais plus le titre français du coup. Aidez-moi, merde. Je vous entends pas. ah là là, putain, c'est terrible avec Ashley Judd. Voilà, où ils enquêtent sur un tueur en série. Il se fait passer pour Don Juan, je crois. Enfin bref. Last Vegas, donc comédie sympa avec Robert De Niro. On a Miss Daisy et son chauffeur. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à voir, mais après, la sortie est pas si vieille que ça. Des films avec Sean Connery à la poursuite d'Octobre Rouge. Hein, dans les films avec Jack Ryan, j'ai aussi une autre version en 4K. À la rencontre de Monsieur Forrester, ça, j'ai mis du temps à le voir, je l'ai vu assez tardivement, mais j'ai adoré. Hot Voltage, Gentleman Cambrioleur, excellent, avec Catherine Zeta-Jones. Là, des films avec Richard Gere, et ensuite il y a Colin Farrell et Orlando Bloom, si je me souviens bien. Donc, Lancelot, qui est pas si commun que ça, hein, Richard Gere et Sean Connery quand même. C'est pas rien. Hachi, un de mes films préférés, forcément. Alors, faut savoir que c'est sur un Akita Inu, hein, le film, l'histoire de Hachiko, l'histoire vraie, hein, japonaise. Mais le petit chien qu'on voit ici, c'est pas du tout un chiot Akita Inu, c'est un Shiba Inu, et c'est ce que j'ai. Ma petite Lily, si tu nous regardes, je ne pense pas, si elle me regarde d'en bas. Mais en tout cas, c'est un film que je surkiffe. Kingdom of Heaven, la bonne version, hein, parce que pareil, potentiellement défectueuse, et là c'est la version longue, film de Ridley Scott, monumental, l'édition ultime qui vient des États-Unis. Zulu, j'ai adoré, pareil, franchement avec Forest Whitaker, c'est un excellent film thriller qui se passe en Afrique du Sud, si je me souviens bien. Dead Man Down avec Colin Farrell cette fois, parce que j'ai tendance à les confondre, Orlando Bloom et Colin Farrell, pourtant bon, ils se ressemblent pas tant que ça. Mais là, on va être que sur des films avec Colin Farrell. Alors, il a fait de très bons films, mais pas énormément. Du coup, sa filmo, elle est assez réduite. Mais Dead Man Down en fait partie. Très, très bon. London Boulevard, vu il y a pas longtemps avec Keira Knightley, c'est correct. Sans être fou, hein. Honnêtement, c'est correct, ça passe, mais pas. Voilà. Pas dingue. Phone Booth, un des premiers films qui l'a fait connaître, hein, film de Joel Schumacher qui se passe essentiellement dans une cabine téléphonique. Winter's Tale, on m'en a dit beaucoup de bien, hein, où il partage l'affiche avec Russell Crowe notamment. Et oui, et oui. Seven Psychopaths, ben là, voilà, pléiade d'acteurs, hein, on a Christopher Walken, Woody Harrelson, Sam Rockwell. Le prix de la loyauté qui est aussi à nos en ce moment, hein. Donc si vous ne l'avez pas, moi je l'avais déjà, c'est con, hein. Quand il y a des trucs intéressants, je les ai déjà, ou ils n'arrivent pas jusqu'à mon nose. Edward Norton, Colin Farrell, le prix de la loyauté, et l'adaptation de la série qui est très très sympa avec Jamie Foxx, Miami Vice, de flic à Miami. Alors derrière, on a que des films avec Liam Neeson, on a l'excellent Rob Roy, j'étais très content de le choper aussi, hein, avec Jessica Lange. Le premier Darkman, très très bon le premier. Puzzle, ouais, sans plus honnêtement, j'ai pas surkiffé. Les veuves, c'était pas mal. Alors, on va dire que c'est pas lui finalement qui a le rôle principal, c'est plutôt les femmes de ces bandits. Mais franchement, bonne histoire, bon twist, franchement c'était sympa. Blacklight, ça fait partie des derniers films qu'il a fait, je ne l'ai pas vu, il m'en manque quelques-uns quand même. Hein, mais c'est un mec que j'aime beaucoup, même s'il ne change pas trop de registre, je l'aime bien quand même. The Good Criminal. Ice Road, une piste Atmos de fou, honnêtement. Sans identité, j'en ai plus trop de souvenirs de celui-là. The Passenger, qui était sympa. Mais mes films préférés, on va y arriver. Balade entre les tombes, ça j'avais vraiment adoré. Très original, très sympa. Ça c'est pareil, Night Run, c'était bien aussi, hein, avec son fils qui va tuer le fils d'un gangster, si je me souviens bien. Sang Froid, très bon aussi, franchement. On a les trois Taken. Bon, je les aime bien. Hein. Franchement, ça passe très très bien. Mais comme je vous dis, c'est vrai qu'il, voilà, on reste dans le même registre. Là, par contre, un registre complètement différent. Faut quand même pas lui enlever ça. La liste de Schindler avec une très belle édition. J'ai mis le 4K à l'intérieur. Je retrouve là, je vois une clope. Alors, une clope miniature. Hein. Vous voyez, c'est bien fait. Hein. C'est une clope des Gremlins, ça. Hop, vous voyez. Merde, voilà, elle est reperdue. Ah non, je l'ai retrouvée. On va la mettre là. Hein. Et puis, donc oui, la liste de Schindler, superbe 4K, superbe histoire.
Franchement, un film de fou que j'avais vu au cinéma. Ensuite, on a Non Stop. On va avoir un de mes films préférés avec lui. C'est quoi, Le Territoire des Loups, je crois, le titre original, The Grey. En tout cas, c'est un film que je surkiffe. Crash aérien, ils sont survivants, mais ils sont au milieu des loulous. Afterlife, pas vu. Et L'Agent sous risque, où il joue le rôle de Hannibal, honnêtement, excellent. Moi, j'ai adoré ce remake, enfin, cette adaptation de la série, j'ai trouvé ça très, très, très bon. Pour le film tout à l'heure avec Morgan Freeman, c'est Le Masque de l'araignée. Voilà, ça a été dur, hein. Alors ensuite ici on va voir les films essentiellement de Tarantino, Robert Rodriguez et des films qui surfent un peu sur la vague ou qui ont un peu cet esprit. On commence tout de suite avec un duo Planète Terreur qui est bien sympa, honnêtement un bel objet. Je ne l'ai pas en Blu-ray. Ici un collector exceptionnel que m'avait offert le Chapelier Tokef, hein, feu Chapelier Tokef pour les vidéos. Bon, il est toujours en forme, hein, on en discute de temps en temps. Très belle édition, hein, de cette Bible, hein, qui est forcément iconique dans le film. Et j'y ai mis forcément le Blu-ray en plus des DVD. J'y mettrai le 4K quand je le trouverai pas cher. Ce qui m'embête un petit peu, c'est la piste son française qui est pas à la hauteur de ce que ça aurait dû être. Donc ça, c'est très dommage, mais bon. Toujours est-il que je veux juste la galette en fait, parce que je vais garder cet objet qui a une valeur en plus affective et j'aime beaucoup, franchement. Reservoir Dogs, pareil, j'ai mis le Blu-ray, pardon, Django Unchained, vraiment excellent. On a Inglourious Bastards en 4K, on a un deuxième beaucoup moins joli, Inglourious Bastards avec le Blu-ray. Attendez, ma femme m'appelle. Bon, je peux pas l'engueuler, elle était à Disney et puis c'était pour les cadeaux de Noël. Bref. Une nuit en enfer, film que j'aime beaucoup, honnêtement. Avec un retournement de situation en plein milieu du film, hein, ça c'est évident. Bon, j'aimerais bien avoir de plus beaux steelbook que ça de Kill Bill, mais en fait, j'ai pas voulu en acheter des plus beaux parce que j'ai appris... normalement, il parlait de les sortir en 4K, donc j'attends de voir un peu ce qu'il y aura comme édition. Donc le Kill Bill 1, le Kill Bill 2, les deux sont vraiment niveau égal, ils sont vraiment très très bons. Jackie Brown, pas mon Tarantino préféré. Ça, j'ai bien aimé, Once Upon a Time in Hollywood, vraiment excellent. Puis Margot Robbie, Brad Pitt, c'est vraiment DiCaprio, c'est vraiment une distribution de fou. Les 8 salopards, j'ai bien aimé, en plus il y a Kurt Russell, donc je ne peux qu'adhérer. Les 8 salopards, une autre version, et j'ai le collector qui est là-bas, le gros collector avec le disque. Machete Kills, bon là c'est du Rodriguez. Reservoir Dogs, j'ai une autre version que l'autre que je vous ai montré. Le Boulevard de la Mort, excellent, avec toujours Kurt Russell. Et True Romance, qui est un film que j'adore, honnêtement, avec Christian Slater. Je vais y arriver. Et là, donc un custom pour un film que j'ai adoré, c'est Mad Heidi, hein, qui est pour moi dans l'esprit Tarantino. Après, je peux me tromper, hein, mais voilà, moi c'est ce que je pense en tout cas. Là, on va avoir les Desperado El Mariachi. Les Green House, donc l'intégrale de la collection, où là on va retrouver Boulevard de la Mort et puis je sais plus l'autre que je vous ai présenté au départ, Planète Terreur. Là on va y avoir différentes versions d'une nuit en enfer. Là par exemple, version belge où ils appellent ça la nuit la plus longue. Après, avec Salma Hayek en Satanico Pandemonium, je veux bien. Ensuite, un coffret avec les deux Kill Bill. La Bad Yankee, hein, c'est Rodriguez. Ici, Eva Longoria et Billy Bob Thornton dans un film assez sympathique, j'avais bien aimé. Bonne surprise. Bounty Killer, pas vu. Là, on a Sin City, je ne sais plus pourquoi je l'ai mis là. Oh, bah, Rodriguez. Et j'en ai d'autres versions de l'autre côté. Et ça, c'est pareil, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais ça m'a vraiment fait penser à du Tarantino. Bring me the head of the machine gun woman. Apportez-moi la tête de la dame à la mitraillette, en gros. Bah, c'est écrit en dessous, quel con. Apportez-moi la tête de la femme à la mitraillette. Pas mal, pas mal. Allez, on enchaîne. Si un de mes genres favoris, donc il va falloir... J'essaie de pas être trop bavard. On va tout de suite se raisonner d'entrée. Donc c'est les films post-apocalyptiques, catastrophe, survie. Vraiment mon style, mon genre préféré. Alors il y a d'autres films qui sont ailleurs, hein, style Je suis une légende ou tout ça. Mais bon, voilà, ça c'est un peu...
Les films de référence, on a Deep Impact, où là c'est forcément une catastrophe. Twister, excellent, en plus j'étais très content qu'ils ressortent cette édition remasterisée avec Helen Hunt et Bill Paxton. On a l'aventure du Poséidon avec une autre version plus récente, Poséidon. Black Storm, qui était bien sympa aussi, surtout le début, foufou. Light of My Life, qui surfe justement, je parlais tout à l'heure, des films qui sont rangés ailleurs, par exemple je pense à La Route, hein, qui est vraiment le film de survie par excellence, avec en plus catastrophe en même temps. Ça surfe sur la vague, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de similitudes, sauf que là il s'agit d'une fille, qui est la fille de Casey Affleck, mais honnêtement j'ai surkiffé, j'ai adoré aussi, moins que forcément que La Route, mais j'ai adoré. Le Pic de Dante, avec Pierce Brosnan. The Impossible, très bonne surprise ce film, hein, avec Naomi Watts et Evan McGregor. No Escape, c'était pas mal aussi, avec Owen Wilson et Pierce Brosnan. 2012, il y a le 4x4 dedans, et franchement, c'est assez incroyable comme expérience visuelle et sonore. Le jour d'après, pareil, très content d'avoir ce steelbook, qui, film que j'adore, où là, le froid va être problématique. Deepwater, très très sympa aussi, film de catastrophe sur niveau plateforme pétrolière. Final Hours, revu il n'y a pas longtemps, et j'ai vachement plus aimé que la première, hein, préparez-vous à l'apocalypse. Ça part complètement au steak, les gens sont fous quand ils savent qu'ils vont mourir, mais j'ai vraiment adoré. Hurricane, sympathique, donc ouragan. Children of Men, le fils de l'homme, les fils de l'homme, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Au départ, je devais avoir un autre steelbook, mais le mec m'a fait faux bon, m'a mis une grosse carotte, c'est dommage, ça représentait plutôt moins ce visuel qui est là au verso, en relief, mais bon, celui-là, format landscape, me convient tout à fait, et c'est un film de dingue, j'adore. Snowpiercer, très bonne surprise hein, ce film. Deliverance, j'étais content de trouver ce steelbook et c'est un film que j'adore, vu plein de fois quand j'étais gamin. Scène de la forêt, on lui dit de faire le cochon, ça doit vous parler si vous avez vu le film. L'Odyssée de Pi, très très beau film, tellement poétique, magnifique. Greenland, donc avec Gerard Butler, Le Dernier Refuge, j'ai bien aimé honnêtement. Love and Monsters, ça avait été une grosse surprise, un bon film Netflix, et j'étais très content qu'il le sorte en Blu-ray, et j'ai fait un custom direct, et j'ai adoré. En plus, moi, si on met des grosses bébêtes, la fin du monde, un chien, et puis des héros, on va dire, pas trop cons, je ne peux qu'adhérer. Ça, c'est Virus, je crois, Outbreak, avec Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman. Contagion aussi qui est excellent, hein. Bon, il y a Marion Cotillard certes, mais il y a Laurence Fishburne, Matt Damon, Kit Winslet, enfin voilà, une grosse distribution. Je vais aller au fond et on se calme, je parle toujours de l'étagère. Alors là j'ai gardé le DVD de Into the Wild parce que après avoir acheté trois fois le Blu-ray et trois fois défectueux, j'ai arrêté. En plus c'est un putain de bon film réalisé par Sean Penn avec Emile Hirsch. Franchement une ode à la vie et à la liberté, j'ai adoré. Donc bon bah c'est pas grave, hein. J'espère qu'un jour ils te ressortiront sous un autre format non corrompu. Open Grave c'était pas mal, Arctic très bon honnêtement. J'avais été surpris, j'avais bien aimé. Wild, ben c'est un peu le justement Into the Wild de Reese Witherspoon, une femme éprise de liberté. Nemesis, c'était pas mal. The Divide, c'est pareil, un des premiers. Je l'ai eu assez vite ce Blu-ray, il y a vraiment une paire d'années, au début de ma collection. Sinking of Japan, je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air pas mal non plus. Aftershock, c'est pareil. Là, c'est le film avec Charlton Heston, le cerf-vivant. Le cerf-vivant, c'est le survivant, donc. Et c'est Je suis une légende, en fait, hein, basé là-dessus, plus ou moins. Geostorm, oui, pas ouf. Soleil vert, j'avais adoré, hein, toujours avec Charlton Heston, excellent film. Le Lagon Bleu, pareil. Et je me souviens qu'au cinéma de ma ville, il y avait une affiche 2 sur la plage. Et voilà, ça invitait aux vacances, mais on sait que c'était plutôt des vacances forcées. L'Appel de la Forêt, l'original, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs. Sunshine, très bon film hein, aussi sur la fin du monde, avec là où c'est le soleil qui pose problème. Jungle, bon film de survie avec Daniel Radcliffe, hein, ça avait été une très bonne surprise. The Rover, j'ai adoré, avec Guy Pearce et Robert Pattinson. Deux frangins, je crois, hein, c'est pas des amis, je crois que c'est des frangins, mais c'est terrible. La Rivière Sauvage, oula, ça remonte. Je me souviens qu'il y a un vidéoclub qui louait des laserdiscs et j'avais loué ce film. Et j'en prenais plein les yeux à l'époque, vous imaginez comment ça a changé maintenant avec l'OLED, le 4K, l'Atmos. Blindness, oui, tout le monde quasiment devient aveugle ou l'est, si je me souviens bien. Alors là, je vais en faire crier plusieurs, mais Moonfall, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça...
très très bon, franchement, avec notamment Alberi. Et au niveau technique, aussi bien au niveau de l'image que du son, c'est une démo. Folle, film qui, oui, une survie tout en haut d'un pic, très fin, très petit, comment vont-elles faire? Mais franchement, j'ai adoré aussi, très angoissant. Beast, Idriss Elba, qui doit survivre, où le tueur est un lion, c'est pas gentil, le lion. À la dérive, pareil, histoire de naufrage, j'avais vu la bande-annonce et j'ai dit, ce film-là, faut que je le trouve et que je le regarde, et donc je l'ai acheté assez vite, mais je ne l'ai pas encore vu. L'impensable, The Unsinkable, pareil, très bon. Elle, j'avais bien aimé aussi, hein, encore une histoire de virus. Et on va finir avec Le Vol du Phénix, Flight of the Phoenix, avec Dennis Quaid, où là, c'est un crash aérien et la gestion des survivants. Alors, les films de survie ont un peu débordé sur l'autre case. Bon, c'est la dernière case pour cette vidéo. Hein. J'espère que vous avez tenu le coup, que vous êtes toujours là. Vous n'êtes pas endormi. Eh, on se réveille. On se réveille. Vertical Limit, très sympa, un peu à la Cliffhanger. Cargo... un bootleg d'un film que j'adore avec Martin Freeman. Franchement, quand on est papa, c'est chaud patate ce film. Chaud patate. Mais superbe film. Amistad. Donc là maintenant, on arrive avec les films avec Matthew McConaughey en acteur principal. Truc de fou ce film. Franchement, j'ai adoré avec Morgan Freeman et Anthony Hopkins. J'ai une autre version ici. Voilà. La Défense Lincoln, où je joue le rôle d'un avocat. Ça je l'ai pas vu, Undercover, une histoire vraie, je l'ai pas encore vu. Gold non plus d'ailleurs, où là il s'est mis en péril hein, physiquement, il n'y a pas de souci. On est loin de l'image de Playboy. Le droit de tuer, excellent, avec Samuel L. Jackson qui a vengé quelque chose qui a touché sa famille, on ne peut que le rejoindre. Mud, c'était pas mal. La série True Detective, où il partage la série et le rôle principal avec Woody Harrelson, terrible, j'ai adoré. Il y a des scènes d'anthologie, notamment avec la copine de Woody Harrelson dans le canapé. Bref, pour ceux qui l'ont vu, ils sauront de quoi je parle. Sarah, film d'aventure assez classique. The Gentleman, j'ai adoré, hein, film de Guy Ritchie. J'ai vraiment trouvé ça top. Hugh Grant est particulièrement barré là-dedans, mais franchement, très très bon film. Dark Tower, j'ai toujours pas osé le regarder. Là, on touche à des très bons films. D'ailleurs, ça, je vais essayer d'avoir un custom parce qu'il n'y a pas trop de steelbook où il coûte très cher. Dallas Buyers Club, hein. Un mec qui fait du rodéo aussi bien sur les chevaux que sur les nanas, sans prendre de protection, et il chope le sida, c'est les débuts du sida, donc il essaie de trouver un traitement. Franchement, un rôle incroyable. L'amour de l'or, film d'aventure sympathique. Là, pareil, on touche à de très grands films, alors je ne sais plus le titre original, voilà, je vais encore plus l'avoir. C'est pas Identity, c'est un nom comme ça. Bref, là, ça me revient pas, avec Bill Paxton notamment. Une histoire très dure avec des gamins qui sont battus et tout ça. Serenity, pas vu. Ça, c'est un de mes films préférés, hanté par ses ex, mais qu'est-ce qu'il est bon avec Jennifer Garner. Un peu à la façon Phantom en fait. Ed TV, très bon également. Un peu à la Truman Show. Là, on touche au Graal, au grand, grand film Interstellar avec deux versions. J'ai deux fois en 4K, mais voilà, avec des visuels différents. Pareil, il faudrait que je vois pour celui-là un custom, mais avec cette affiche, ça pourrait être vraiment très, très sympa. Hop, on va continuer avec ce qu'il y a derrière. Donc je vous parlais tout à l'heure du Bad Lieutenant avec Nicolas Cage. Voici l'original d'Abel Ferrara avec Harvey Keitel. Ça c'est avec Dennis Quaid, Les Cavaliers de l'Apocalypse, un peu à la Seven, etc. Ça surfait sur la vague et c'est très bon. Mississippi Burning sur le racisme et le Ku Klux Klan. The Man in His Room, Tucker, pas revu, vu il y a très longtemps, plus aucun souvenir. The Boys Next Door, faut pas se fier à l'affiche. Le Jugement Dernier, ça j'avais adoré avec Emilio Estevez, hein, franchement trop content qu'on puisse le trouver via l'Espagne. Un Plan Simple, excellent film aussi de Sam Raimi. Blue Steel avec Jamie Lee Curtis, pas mal. The King of New York, toujours un film d'Abel Ferrara avec Christopher Walken. Toujours un film d'Abel Ferrara, New York, 2h du matin avec l'excellent Tom Béranger. Toujours avec Tom Béranger, Randonnée pour un tueur, excellent, où il partage l'affiche avec Sidney Poitier. Cop avec James Woods. Le Dahlia Noir, que je n'ai vu qu'une fois et dont je ne me souviens plus du tout, honnêtement. Police Fédérale Los Angeles. Manhunter. Dans la chaleur de la nuit, encore avec Sidney Poitier, Runaway Train, et donc une version
joli que je n'ai, dont je ne me suis pas séparé, de Sahara. Voilà, bah ça sera tout pour cette vidéo. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je pense que vous, c'est pareil. Vous allez avoir une overdose. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Il en reste une, voire deux maximum. Tenez le coup, les amis. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, non, c'est Cloug.